Привет, люди! Как дела? Прям ты с Ливлка на Анна. YouTube, Микроник сан фонча.
Alors, il est environ 13h15. Donc, je viens de finir de manger dans un restaurant qui n'est pas très loin de mon hôtel, que j'avais déjà testé hier. Et là, je suis en mode voyage à nouveau, puisque je change d'hôtel, puisque l'hôtel ne me convenait pas. Donc, un nouveau périple. Là, je trouve qu'il était très bien placé cet hôtel. Et malheureusement, deux, trois petits détails qui ne me plaisent pas, et c'est surtout le fait de ne pas avoir d'ascenseur qui marche 24 heures sur 24. Me taper 5 étages, ça me saoule. Tout simplement. Salle de bain. Donc j'ai droit à des peignoirs. Là on peut entendre le bruit. Donc là c'est mon sèche-cheveux. Donc les toilettes. Quelques produits de beauté. Je sais pas trop à quoi ça sert. Donc là il y a la baignoire qui est là, avec d'autres serviettes et le rideau. Ah, il y a un miroir consistant, c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être rester à cet hôtel, dis donc. Donc j'ai un petit placard avec... Oh, c'est mignon. J'ai de quoi mettre mes affaires. Et voilà, j'ai des pantoufles, paire de pantoufles. Je crois qu'ils ont pensé que c'était une réservation pour deux. Et ici, c'est une couverture supplémentaire. Donc là, il y a un petit banc pour s'asseoir, mettre ses affaires, le bureau. Donc là, il y a de quoi se faire du thé ou un café à la limite si on a du café soluble. J'ai un petit frigo qui est vide, mais ça me permet de pouvoir ranger ce qu'il me faut. Donc là, j'ai le petit tabouret, j'ai une télé qui est là, j'ai le lit qui a l'air plutôt pas mal. Donc là, c'est ma vue, j'ai pas trop de vis-à-vis, donc j'ai un peu de verdure. Le téléphone, il est là. Donc on m'a dit le petit déjeuner était compris, c'était fait à l'ancienne, et ça doit être tout ce qui est commande. Ouais, tout ce qui est commande. Ah, avec le petit plan du métro. Donc ça, c'est quelqu'un qui a dû laisser sa carte. Et ici, au niveau des menus, bon bah tout est je sais pas ce que c'est, tout est en russe. Voilà. Très pratique, je crois que c'est les services de l'hôtel, mais voilà, tout est en russe. Donc bah, on va attendre un traducteur, hein? Parce que ça, c'est très bien fait, mais la version anglaise m'aurait pas tué.